Salut tout le monde, c'est PodGamer72, j'espère que vous allez bien, j'espère que j'ai pas trop crié dans le micro. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour un nouvel épisode du Let's Play, épisode je ne sais pas combien, hein, voilà. Donc j'ai mis un petit texture pack, je suis repassé tout simplement sur PC pour le moment, sur Windows 10, comme vous l'avez dit dans les commentaires, parce que vous trouvez que c'était plus amusant. Donc c'est toujours MCPE, ne vous inquiétez pas, regardez l'interface, le menu, etc. C'est pas Minecraft PC, Minecraft Windows 10, vous l'avez bien vu, hein, ici, voilà. Tranquillement, on va redescendre par ici, voilà. Hop, aujourd'hui, on va tester, on va faire pas mal de trucs, on va arranger quelques petites choses, notamment on va commencer par ici. Alors du coup j'ai pris le nécessaire, donc je suis retourné dans le nether pour aller chercher la glowstone, parce que la dernière fois on en avait besoin tout simplement. Du coup hop, j'ai décidé de faire l'entrée ici, l'entrée, parce que ici c'était un peu moche. Donc pour ceux qui veulent le nom du texture pack, c'est le Faithful Pack, donc un ancien que j'ai su mettre sur la version 1.0. Il y a un style de shader avec qui bug, voilà. Mais c'est pour ça qu'il y a eu ce ciel un peu bizarre. Donc voilà, on va pas trop s'attarder sur ces détails ici. Voilà, normalement là il y a une table de craft. On est reparti en force. Ici, hop, des escaliers. Et c'est tout. Alors, pour l'entrée, ce que j'avais prévu c'est de faire ça. Hop, hop, voilà. Je commence direct. On va faire une entrée de, en fait, une porte. Vous allez voir, du coup, hop, est-ce qu'on ferait pas, non, vous savez quoi, on va faire ça, donc, hop, 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 et du coup, hop, voilà, voilà, est-ce que j'ai le bon, les bons matériels, non, d'accord, si, la hache, voilà, elle est là, la hache est là, on va casser ça quand même, non, en fait, et si on va mettre, non, s'il vous plaît, please. Un escalier. Comme ça. Voilà, tranquille. Bon, là, pour le moment, ça va. Plutôt bien. On va en mettre ici. Et... ok, j'en ai plus. On va dire que c'est plus ou moins beau. Ici, on va mettre ça. Ici aussi. Voilà, voilà. Bon, ça ressemble déjà à une entrée déjà un peu plus améliorée. Je viens de la faire comme ça... j'ai pas fait de préparation, tout simplement, c'est ce que je voulais dire, voilà. Je n'ai pas fait de préparation. Et du coup, hop, voilà. Par contre, ici, ça gêne un peu. En fait, ici, je crois qu'on va laisser ça comme ceci. Hop, et hop. Et ici, nous allons mettre une porte en bois d'acacia, tout simplement, pour aller avec le thème. Non, d'accord. Tranquille, la porte qui se met mal, on va la mettre ici. Et bien sûr, ici, il faut refermer. Si on ferme avec ça, est-ce que ça donne bien? Je ne sais pas. On va juste mettre la porte, genre, ici. Voilà. Comme ça, on peut toujours voir à travers. Donc ça, c'est parfait. Par contre, ici, je ne sais pas ce que je vais mettre. Si je mets ça... en fait, ce qu'on va mettre ici... bonne question. Hop, ici, on va peut-être mettre ça. Voilà. Et c'est ici qu'on va mettre un petit escalier. Voilà, et là on va pouvoir, ok ça lag, d'accord, et là on va pouvoir mettre des barrières. S'il vous plaît, ne lag pas, voilà, merci, hop, on va aller ici. On va, les sticks j'en ai, normalement. Quelque part ici, non. Ok, ça lag, un truc de fou. pas de stick, toujours pas de stick, on n'a jamais de stick ici. Là peut-être. Je suis à la recherche de stick, les amis, j'en trouve pas, hein. Du coup ce qu'on va faire c'est qu'on a du bois. On va s'en faire, on va éviter de gâcher du bois d'acacia. Voilà. Et là à partir d'ici on va pouvoir faire, hop, nos petites barrières tout simplement. Et du coup, ah, il faut toujours faire ce beacon là. Ah ouais, j'avais fait un trou exprès. Bon, on fera ça aussi dans les prochains épisodes. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous voulez voir dans les prochains épisodes. Tout simplement, ici par contre ça cloche complètement. Du coup on va enlever, hein, voilà, tout simple. On va faire un autre truc. Plutôt, on va faire ceci. Oui, ça se fait comme ça, ok. Et on va mettre ça. D'accord, il veut pas. Il faut mettre un bloc ici. Une petite astuce, hop. Non, c'est pas dans le bon sens. Il faut le mettre dans ce sens, s'il vous plaît. Ok, voilà. Et là, oui. Et là on va pouvoir casser, ok, bon. Ça rajoute un petit truc, c'est pas tellement terrible comme entrée, mais fait sur directement, voilà, hop,
Hop, et là, il nous en manque un. Voilà, c'est une petite entrée comme ça, hop, pour accéder à la salle des fours, vu qu'on... Voilà, ce sera la salle des fours et on va voir encore, qu'on va devoir encore creuser, pardon. Voilà. Est-ce qu'on avait... On avait pas laissé des trucs ici? On avait laissé du fer, Ah, mais en fait, ok, j'avais des sticks ici, d'accord. J'ai dû faire ça, tout ça pour rien. Ok, what? Là, nous avons de la nourriture. D'accord. Ok, alors... Qu'est-ce qu'on devait faire d'autre? Je devais, ah oui, terminer un peu ici, la décoration. Hop, voilà. Donc on va juste terminer un peu cet endroit ici qui est un peu moche, un peu dégueulasse. Hop, voilà. Hop, bon, sur le plafond, je ne sais pas ce qu'on va mettre. Et l'endroit pour y accéder à cet ascenseur, je ne sais pas comment nous allons faire. Est-ce qu'il n'y aurait pas un moyen de le faire depuis notre base? Hop. Alors, si jamais je passe par ici, vous pensez que j'arrive de l'autre côté, il y aurait moyen d'arriver dans cette salle mystérieuse, dans cet ascenseur. Ouais, on verra, ça on fera pour une prochaine fois aussi. Il y a pas mal de trucs à faire, pas mal de trucs à faire, et quand j'essaye de trouver, bah y a rien, tout simplement. Aïe, s'il vous plaît. Ça fonctionne toujours. Ça fonctionne toujours. Donc l'étage là-bas en haut, je peux enlever cet étage-ci. Hop. Pour comme ça, on va on va gratter de la stone bricks. Bon, il nous faudra encore pas mal d'arbres. Hop. On va dire qu'on a un peu avancé, tout simplement. Ok, on se retrouve en haut. On va hop, avancer un peu ici. Donc c'est un épisode du Let's Play assez accéléré. On va dire ça comme ceci, vu qu'on fait... pas mal de trucs en même temps. La dernière fois, si vous avez suivi, on avait fait, hop, là-bas, le... Comment ça s'appelle encore? D'accord, j'ai oublié. On avait fait la fontaine, voilà. Hop, là, j'ai décidé qu'on on va faire une tour rapidement, et puis on fera les variantes pour que ça aille plus vite, tout simplement, pour notre tour d'observation, pour ceux qui sont là depuis le début de ce Let's Play. Nous sommes sûrement à l'épisode 26 ou 27 ou 25, je ne sais plus. Je ne sais plus du tout. Hop, hop, hop. Voilà. Hop. Voilà. Et comme ça, on aura pas mal avancé. Les petits détails qui nous embêtaient un peu. Hop. Voilà. Et là, on est vraiment pas mal. Hop. Voilà, comme ceci. Là, s'il te plaît, tu dégages. Non, pas la pluie, s'il vous plaît. Pas la pluie, ok. N'hésitez pas à me proposer, comme je vous l'ai dit, des idées dans les commentaires. Du coup, qu'est-ce que je devais faire? On va terminer, on va se refaire un étage de 2. Voilà. Non, pas comme ça, je t'ai déjà dit. Hop, j'ai pas de pseudo pour descendre après. Donc, si on tombe, bah, tant pis, tant pis. Pour ceux qui demandent à chaque fois la carte, elle sera disponible dans l'épisode où j'aurai bien avancé, je ne sais pas quand du coup. Donc là c'est vraiment pas mal pour une petite tour, on va dire. On va se mettre de loin, on va aller récupérer le bloc déjà pour éviter de gaspiller, vous voyez, c'est la crise, tout ça, tout ça. Hop, on va descendre ici. Hop, voilà. Ouais, bon, c'est déjà ça. Ok, d'accord, j'ai eu peur. Ça commence à bien fonctionner. On va tout de suite rentrer parce qu'il y a de la pluie. Bon, je disais, du coup, ça donne pas... en fait, je sais plus ce que je disais, d'accord. On est rentré, tranquille. Mais du coup, ça donne... C'est très petit comme tour pour le moment. On va continuer un peu l'intérieur ici. Vu que j'ai récupéré de la glowstone, on va pouvoir finaliser un peu cet espace qu'il y avait ici. Alors, hop, ici, au lieu de la torche, il y avait une glowstone, donc... On va les faire. Les 43 ici. Hop, ça nous fait 10 glowstone seulement. C'est très, 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 très pauvre. Voilà. Par contre, ici, il en faut 2. Donc, hop. 2. 1, 2. Voilà, comme ceci. Là, une. Donc, hop, une seule. Et pareil pour ici. Une seule. Et là, 2, bien évidemment. Ici. Voilà, je crois que c'est bon. C'est parfait. Il y a assez d'éclairage pour le moment. C'est plutôt parfait. Alors là, ici, nous avons encore, hop, voilà, nos stands de canne à sucre, tranquillement, qu'on va pouvoir poser
ici, voilà, nous avons pas mal de choses. En fait, oui, c'est ça que je voulais faire. Hop, ma sharpness. J'avais besoin de livres. Du coup, on va s'en prendre un peu. J'espère que j'ai... Normalement, j'ai tout ça. Non, là, il n'y a pas. Là, il n'y a pas du tout. J'ai des selles, par contre. Ah oui, que j'avais récupéré là. Ah oui, ça coule d'ici. J'avais récupéré dans le Nether. Ici, oui. Ici, on l'avait presque fini. Pour changer les torches, là, normalement, il y a la table d'enchant. Du coup, ouais. On va dormir. Voilà, on va juste dormir. Et voilà, on va passer à autre chose ici. Vraiment, ici, il faut que je fasse un truc. Faut que je change un peu tout ça, le décor. On va changer ça. Là, il n'y avait plus rien vu que l'armure est sur moi. D'accord. Il pleut plus, c'est déjà ça. Voilà, du cuir, c'est ce qu'il me fallait. J'ai un arc power 1 ici. Okay, je pense que c'était mon arc. Là, il y a encore de la glowstone. Il nous faut, enfin, il me faut surtout du cuir. Voilà, ça, c'est bien. Et ok, parfait. On va se faire pas mal de livres, les amis, pour pouvoir essayer d'avoir un livre looting. Voilà, comme ça, pour les têtes de viseur, ben, on sera bien, tout simplement. Hop, et un deuxième. Voilà, deux livres. On va essayer de les enchanter, pardon, il faut du lapis. De lapis, voilà. Ça, si jamais vous voulez aller aux toilettes. Ok, nous avons un livre protection 1. Voilà, c'est déjà ça, pour un début. Hein. Hop, Aquanfinity, ok, ok, et Aquanfinity. On s'en fout totalement, on va juste enchanter ça peut-être. Infinity, voilà, vous avez compris. Hop, on va remettre le livre. Sharpness, sharpness, power 1, sharpness, voilà. On va essayer de se faire une épée super puissante. On a toujours 12 diamants ici. Est-ce que j'ai pas mal de choses en fait? J'ai pas mal de choses. Est-ce que j'avais pas un livre déjà enchanté? J'ai envie de me faire un coffre. On va se faire un coffre de livres enchantés. Voilà, tout ça pour ça. Là, il y a 3 livres. Là, il y a 3 livres. Il y a encore du bois ici par contre. Non, il y a plus de bois. Non, il y a plus de bois. À la recherche de bois également, hein, nous devons faire pas mal de trucs dans ce let's play, rechercher pas mal de choses en fait. La plupart des trucs qu'on a, et ici j'ai pas un coffre avec du bois, non, j'ai un coffre avec de la pierre, de la stone bricks, et j'en ai plus beaucoup, j'en ai plus du tout d'ailleurs. Ouais, bon, nous avons pas de bois, on va utiliser le bois que nous avons sur nous. Je voulais pas le gaspiller, mais du coup, nous sommes bien obligés. Hop, nous allons nous faire, pardon, un petit coffre qu'on va placer ici pour le moment avec les livres et ça va être reparti. Je vais rechercher la table d'enchant par contre parce que c'est un peu saoulant de la chaque fois dehors. Hop, voilà, on va la placer juste ici. J'aimerais faire une salle d'enchantement après plus grande avec des pistons, tout ça, vous avez compris le principe. Hop, ah oui, on peut mettre un livre, Unbreaking Smite protection 1. Bon. Ah, protection 1, power 1. Donc ça, on aura le choix. Projective protection, Aqua Infinity. Ça, on s'en fout. On va enchanter la hache. La hache qui ne sert à rien. Ok, d'accord. On va enchanter. Il n'y a plus rien à enchanter. Très bien. On va juste alors mettre les livres ici avec du lapis. On va laisser l'épée, le power 1, ici, tranquillement. Voilà, on se repose un peu. Les amis, j'ai une autre petite idée qui est venue comme ça, en tête. On va continuer un peu les chemins. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? Ici, on va laisser. On va laisser tranquille. Il me faut une pelle. Il me faut une pelle obligée. Là, on va laisser tranquille pour le moment. On va continuer ici sur ce rond-point qui partait plutôt pas mal. Hein, il fallait terminer ça. Mais bon, ça, on verra à un autre moment. Mais on va commencer à faire d'autres chemins qui vont partir un peu autour de ce rond-point. Notamment ici. Et là, il va y avoir pas mal de grands bâtiments style médiéval. Vous allez voir, ça va être vraiment parfait. Ici, on va pouvoir commencer les maisons. D'ailleurs, il en faudrait une autre juste ici. Du coup, il nous faudrait quand même pas mal de bois. Donc, oh oui, ici, nous avons du bois. Du coup, pour commencer cette maison, poursuivre un peu la logique. Bonne question. Ici, on va la faire ici, écoutez. Donc, c'est 1, 2, 3 d'espace. Donc, 1, 2, 3... Ça commence ici, voilà, et ici, si c'est bien ça, oui, c'est bien ça, et du coup, c'est 1, 2, 3, 1, 2, 3, nous avons ensuite sur les côtés, il me semble, non, plus vers, ok, qu'est-ce que je fais ici, oui, c'est plus vers l'intérieur, du coup, c'est ici, donc 1, 2, 3, et 4,
pareil ici, 1, 1, 2, 3, 4, et pareil pour ici, mais c'est juste ici, vous avez compris. En gros, il y a beaucoup d'ici, 4, et là, nous en avons que 3, mais c'est pas grave, que 2, voilà, je sais plus compter du tout. Ok, alors, ma voix est partie un peu, hein, à force de parler, les amis, on va, j'ai toujours pas de pelle, tranquille, hop, ok, j'ai une pelle, hop, tranquille, hop, on va casser ça, voilà. On va mettre un bon petit début de cobble, voyons, voilà. Voilà, plutôt pas mal. Est-ce que nous avons de l'andésite sous la main? Nous en avons que une. Sous la main, ce serait pas mal, parce que sous le pied, d'accord, je vais arrêter les blagues. Ok, les amis, j'ai suffisamment d'andésite, voilà. D'ailleurs, il m'en reste un qu'on va placer. Est-ce qu'il y a du bois, là? Oui, il y a du bois, donc du coup, on va pas placer ça là. On va juste récupérer le morceau de terre, voilà. L'andésite ici, on va la placer. Écoutez, on va la placer ici. Comme ça, ce sera déjà fait pour le rond-point. Et je crois qu'on va se laisser. C'est un épisode, on va dire, assez rapide. Parce que j'ai commencé à changer ma façon un peu de monter les vidéos. Vous avez vu, les miniatures sont un peu différentes. Maintenant, je vais commencer à faire pas mal de changements sur la chaîne. Tout simplement, je vous annoncerai ça dans une autre vidéo. Je vous avais déjà fait une vidéo pour 2017, hein, les résolutions, tout ça, les changements à venir. Mais là, ça va encore plus changer. Je vais vraiment changer un peu le design, l'intro, etc. Et donc, ne vous inquiétez pas, les vidéos resteront le même contenu, tout simplement, mais juste avec des améliorations, les montages un peu mieux faits. Il y aura moins de vidéos, mais bon, ça, on peut pas, voilà, on peut pas faire grand chose. Mais bon, c'est déjà ça. Vous aurez un peu plus de qualité, en tout cas, sur la chaîne. Donc voilà, en tout cas, moi j'espère que cet épisode vous aura plu, malgré qu'on n'a pas fait grand chose, un peu amélioré là-bas, fait l'entrée ici, fait la petite maison, un peu chipoté un peu dans cette maison, on a fait un peu les livres, etc. Donc voilà, n'hésitez pas, et on a fait la tour aussi, j'avais oublié, n'hésitez pas encore à me dire tout ce que vous en pensez dans les commentaires. Et du coup, moi je vous dis à la prochaine, c'était HypogGamer172, allez bye tout le monde, s'il te plaît la vache, j'allais dire la mouche, mais ça ressemble pas à une mouche.